Salut JM Force One. Salut, c'est MAJO, MAJO Force One. Retrouvez-nous sur africamove.com. C'est gâté. Force One, moi c'est Conan Jean-Marie, à l'état civil, et c'est JM. Et moi c'est Koffi Amani Sébastien, à l'état civil et major. Alors oui, c'était notre premier groupe. On a intégré un groupe qui existait déjà. C'était un groupe d'enfants. Ils faisaient juste des compiles pour des compiles de Noël et ça marchait super bien. Et alors nous on est arrivé, ils devaient renouveler le groupe. Et ils ont fait un casting et on a été retenu par le studio 302 dans le temps qui produisait le groupe Arc-en-Ciel. Donc nous on a intégré le groupe Arc-en-Ciel après. Donc c'est la deuxième partie du groupe Arc-en-Ciel. Mais Arc-en-Ciel, en fait, nous, on était à Boaké, comme on le disait au début. Arc-en-Ciel, nous, quand on était à Boaké, tellement ça marchait pour nous là-bas. Mm-hmm. Et quand le studio 302 ils sont arrivés, ils ont voulu, en fait, rajeunir le groupe. Donc, ils nous ont fait venir, on a complété. Le groupe avait des titres. On a complété 4 titres. Sinon, ce n'était pas notre groupe à nous. Ouais. C'était juste une manière pour nous de pouvoir un peu se faire connaître. Déjà. Voilà. Après ça, on est retourné encore à notre base, à Boaké. Oh. Donc, on a toujours gardé le nom. Ouais. Force One. Force One, on a été inspiré par les baskets dans le temps, Air Force One, tout ça. On aimait tellement ça et puis on s'est dit, on était tellement unis, il fallait pas mettre le R, tu vois. Donc on a dit Force One en même temps. Et les puis deux on rêvait aussi à d'avoir, parce que dans le temps, comme un bon petit rappeur, on rêvait de porter les baskets. Les baskets, tout ça. Les Force One. Donc pour nous, on s'est dit, c'est cette paire de chaussures-là qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde rêve et surtout on a envie d'être les number one. Donc surtout pour ça, on a opté à avoir le nom Force One. En fait, on remercie Dieu d'abord et puis on remercie le public parce que c'est pas facile. Hein, des artistes qui, comme il a dit tout à l'heure, après 8 ans en Europe, ils reviennent après. Donc on vit ça vraiment avec la grâce de Dieu, avec le public, les gars qui nous ont vraiment, nos fans qui nous ont accueillis, qui nous ont vraiment soutenus. Parce que là, on s'arrête pas. Hein. Voilà, Number One, Cholet, Baby Marie, Zangou. 5-0. Là, on annonce en même temps le Follow Me Go. Follow Me Go. Qui s'annonce très qui est aujourd'hui l'un des titres les plus mieux téléchargés. Donc je pense que c'est la gloire de Dieu. Nous on prend ça sereinement parce qu'on a l'habitude du succès. Aujourd'hui on a la tête sur les épaules, on essaie de prendre ça et surtout le plus dur c'est de travailler pour donner encore des tubes. Donc pour nous c'est tranquille quoi, comme on dit au calme. Au début c'est normal, hein, quand tu commences un truc, tes parents te disent non, on va à l'école, tu vois, ça c'est normal. Ouais, c'est clair. Mais après, quand ça commence à être vraiment, tu vois, à l'heure du jour, ça commence vraiment ta passion, bon, les parents qui sont compréhensifs, nous on a eu la chance d'avoir des parents qui comprenaient, après ils nous ont laissé. Là, pour venir, ils payaient même nos billets de train, souvent de Boaké jusqu'à Abidjan pour venir voir les producteurs, tout ça. C'est clair. Donc je pense que nous à ce niveau, on n'a pas... Non, en plus, je pense qu'ils avaient raison parce que pour moi, l'école, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui fait qu'on peut aujourd'hui s'exprimer et comprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc, pour nous, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'on parte à l'école. Voilà quoi. Et ça nous a servi aujourd'hui. Voilà. Mais après, la passion prend le dessus. Donc, on a continué la musique. Voilà quoi. Donc, c'est super, super important pour d'aller à l'école quoi.